Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec nos amis les elfes sylvains. On continue notre petite aventure. Ça fait quelques temps que j'ai pas tourné, on va reprendre tranquillement. Donc Chobiti, on venait de faire tomber ça, et on est un peu dans le mal, trop dans le mal pour faire tomber la plaine des chiens, clairement. Donc je pense qu'on va se reculer ici et s'emparer de ce truc là. Si possible avant que quelqu'un d'autre le fasse. Maintenant qu'on l'a rasé, sinon on le rasera éventuellement. Et du côté des sœurs du crépuscule, on est en train d'attendre tranquillement de pouvoir reprendre la marche. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de corruption vampirique, mais j'ai regardé un peu, je pense que ce qu'on fera, c'est probablement qu'on va attendre encore au moins un tour de reconstitution. Et après, en passant en mode racine du monde, on pourrait attaquer rapidement ça. Donc il va nous falloir un tour pour y aller, un tour pour sortir du truc et attaquer, donc deux tours. Mais je pense que ça peut pas mal aider. Ça nous permettra d'équilibrer un petit peu là les landes hostiles. Pour l'instant, on connaît pas trop la zone. Hein. Pour l'instant, Nurgle nous laisse en paix. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça m'étonnerait que ça dure très longtemps, mais bon, il est, je pense, suffisamment occupé avec Elmangost. On avait un petit truc ici. Alors, j'ai retrouvé l'objet que je cherchais la dernière fois, que je ne trouvais pas, c'est-à-dire l'anneau des rêves, qui permet la reconstitution en territoire étranger, qui est extrêmement puissant, je trouve. Au niveau max, c'est quand même 12% de reconstitution en territoire étranger. Par contre, c'est un anneau. Ah, du coup, je crois qu'on a déjà des anneaux équipés. On a le taux de recherche. Et on a le taux de reconstitution des victimes de 3% avec un petit peu de résistance. Éventuellement, pour elle, ça pourrait être pas mal. Hein. Je regardais pas le bon truc. Non, c'est la masse de dragon qu'elle a. C'est les revenus qu'elle a, elle, ok. Et nous, si c'est ça, c'est parce qu'elle a un objet de plus, ça m'a décalé. Par contre, la question c'est est-ce qu'on peut le donner à par exemple toi. On va le forger. Parce que c'est vrai que si on pouvait prendre un petit peu de reconstitution là, ce serait quand même cool. Hein. Donc, toi par exemple, on donnerait l'anneau des rêves. Alors est-ce que c'est parce qu'il faut un tour ou est-ce que c'est parce que c'est l'armée du seigneur? Armée du seigneur, ouais, donc ça veut dire qu'il faut le donner à un seigneur. Par contre si je te le donne à toi, la place de ça, mais c'est pour les seigneurs aussi. Ouais, là on commence à se reconstituer, ça c'est quand même très très fort. Très très fort, alors la thune en plus bien sûr c'est quand même un must-have. Le taux de recherche également. Et ça, l'objet est intéressant, même sans le bonus, pour la capacité du masque du dragon. Et on donnera peut-être à un autre seigneur à terme. Mais ouais, pour pouvoir au moins se reconstituer un petit peu ce tour-là, je pense que c'est intéressant. Et du coup, on va passer au tour de nos ennemis, voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a l'air de venir par là, mais pas trop. Peut-être que lui, il va falloir qu'on entre en guerre à un moment pour aller chercher aussi ses territoires. Hein. Parce que je pense que l'alliance va être compliquée. Alors, il a recréé une armée ici. Très bien. Ce qui veut dire que potentiellement, il n'a pas repris cette zone. Alors. Azrai, Azur, Druki. Transportés par des navires également composés, nos cousins ont voyagé depuis les confins d'Ultuan pour nous rendre visite. Après de longues années, ils ont finalement daigné remettre les prés dans leur forêt sœur. Serait-ce une visite bienveillante ou un signe d'arrogance? Alors, on peut les accueillir. C'est pas mal, 10% de taux de recherche et droit de douane, autorité moins 5. Non, on va prendre ça. On va les accueillir, on peut prendre l'autorité moins 5, ça me choque pas. Ici, on va essayer de voir si on peut prendre ça. 2000 balles pour coloniser. Ah la vache, ça pique. Ça pique bien plus que ce que j'envisageais. Il nous faudrait un tour de plus du coup. Ok, bon. Admettons. Ici, on n'a pas eu d'assaut. Donc même si on a que 19 unités, on va aller se placer
par ici, puisqu'on sait que l'armée est passée par là, il y a peu de chances qu'on soit attaqué ici. En plus on prend pas d'attrition, ah c'est cool, je pensais qu'on se prendrait un petit tour d'attrition mais même pas, on est immunisé à l'usure. Donc prochain tour on devrait pouvoir prendre ce truc, qui est assez pauvrement défendu, hein, du zombie, quelques squelettes, il y a quoi derrière? Des loups funestes, ouais, ça devrait être prenable assez aisément. Bon, par contre là, l'ordre public, c'est la même merde. Alors du coup, la question, non, on n'a pas ce qu'il faut. Là, il va falloir qu'on construise ça rapidement parce que c'est le bâtiment qui nous donne de la thune en tant qu'elfe sylvain. Il nous en faut un dans chaque arbre, obligé. Et là, on économise pour pouvoir faire ça. Donc il nous faut de la thune. Est-ce qu'on pourra réussir à tirer 2000 quelque part? Ça me paraît chaud quand même. Diplomatiquement, on peut tenter hein, de demander des petits paiements. Non, pas possible. Toi, tu ne connais pas, donc improbable. Non, pas possible. Là, on s'entend bien. Non, non, vraiment, financièrement, ça a l'air d'être compliqué. Arguilon peut-être, assez puissant en général. Puissance économique faible aussi. Si je mets genre 2, ça change. Non, même 200, hein, c'est pas possible. Ok, donc visiblement... c'est un petit peu compliqué. Eux, ils se sont fait dépouiller la tronche. Donc comme je disais hein, dans les commentaires, je suis pas convaincu que le pacte de non-agression va durer longtemps avec eux. Ici, eux, ils nous aiment bien parce qu'on est en guerre contre le clan Mulder et qu'on a commencé à taper sur la caravane. Ah, c'est vrai qu'on est pas, on est très proche. Hein. On est très proche de lui. Néanmoins, on est un petit peu plus fort que lui. For what do you drag me from the forge? Ce serait presque envisageable, mais vu que visiblement il veut rien, ça sert à rien. Clan Echine, les Lazargues. C'est quoi, c'est les... ah oui, c'est les ogres qui sont juste à côté de nous. Oh, ils sont costauds, mine de rien. Ils sont costauds. Les principautés frontalières sont en train de se faire dépouiller la tronche. Les Skaven nous détestent. C'est vrai qu'on avait fouillé, on avait fait un pacte avec eux. Vous ne fileriez pas un petit peu de thunes? Bon, ok, y a pas moyen. Personne ne veut nous donner d'argent. Mais le petit bonus de 25% de commerce, il va nous aider. Tant pis, ça sera le prochain tour. Hein. On va passer le tour, voir un petit peu. Ici, je pense pas qu'il va recruter une armée monstrueuse en un tour. Donc pas d'inquiétude. Ce qui m'embêterait, c'est qu'ils se pointent avec une autre armée et qu'ils prennent cette ville. Ouf, ah d'accord, ok, donc là, c'est l'assaut sur la plaine des chiens. Non, on lui laisse, hein, tant pis. On peut rien y faire de toute façon. Il a pas tenté de contre-attaque, visiblement. Il y a quand même une armée et des murs, hein, donc... on pourrait s'en tirer. Non, ici. Voilà, ici on a refait un petit peu nos troupes, donc ça nous coûte un petit peu moins cher, on va prendre. Ça nous sert pas à grand chose, hein, puisqu'on peut pas réparer. Mais c'est pas grave. 1200, c'est pas 1000 normalement? Peut-être 1200. Ça... au moins on va se refaire. Et donc l'objectif ici c'était de faire une... ah, on a une de la ressource cela dit. Ça peut être pas mal. C'était de faire soit une pierre gardienne, parce que c'est un endroit un peu défensif, soit faire le chemin des racines du monde pour nous permettre de recruter, mais du coup, ouais. Possiblement un petit dresseur d'animal exotique à terme. Peut-être commencer par une pierre gardienne. Un chemin des racines du monde. Et après, si on peut progresser là, on fera peut-être une pierre gardienne là, du coup. C'est fermé. Ok, bon, pourquoi pas. Ici, on avance, hein. Par contre le malus de moins 5 d'autorité il pique, hein. Moins 4 ici. Bon, les territoires là on s'en fout un peu mais là ça descend. Mais on soigne notre arme et ça c'est cool. Bon, on a cramé toute la thune mais on a peut-être moyen ici de se faire un petit peu de liquide. Victoire décisive, sans grande surprise. Hop là.
Rasé pour 1700. On va occuper. 1700, ça va nous prendre encore 1000 balles de la recapturer. Donc non, on va la prendre pour gagner ce petit bonus rapidement. On gagne un homme du dragon, ok, pourquoi pas. Et on commence à déverrouiller des régiments de renom. Alors, on a gagné 1200, on va plutôt aller retaper là. Hop, avec ces 1200. Ouais, je sais, hein, il faut des sous. Faut des sous, on a tellement besoin de sous. Ici, on a déjà des animaux exotiques, est-ce qu'on les vend tous? On les vend tous. On les vend tous, donc on aurait éventuellement moyen quand même d'en faire. Je pense que le petit bonus d'autorité et de pillage sera intéressant à prendre. Pas tout de suite du coup. On a un niveau. On booste encore nos archers. Ça me paraît pas mal. Et là, on a découvert cette zone-là. Ah, la lande, elle va jusque-là, d'accord, ok. Elle est bizarre cette lande, elle est toute en ligne là. Ça fait pas partie de la lande, ça fait pas partie de la lande. Par contre ça fait partie de la lande. Donc ok, donc la lande c'est tout ça. Ces quatre trucs là. Actuellement il y en a deux rouges, un neutre, et celui-là qui est neutre. Devenir pote avec eux, ça me paraît pas vraiment intéressant. Une garnison est merdique, faut qu'on fasse gaffe quand même. C'était peut-être pas une priorité ce bâtiment, mais bon bah tant pis, c'est pas grave, se lancer. Il va falloir qu'on fasse ça. Je sais pas si je fais ça ou ça, je ferais probablement ça en premier dans cette forêt. Histoire de stabiliser un peu notre budget. Parce que là on n'est pas comme avec les bretonniens, hein. Nos armées coûtent très cher. Ce qui veut dire que dès qu'on aura la possibilité de recruter des meilleures troupes, on va pas probablement pas faire une autre armée pour garder les troupes faibles, on va simplement s'en débarrasser. Oh la vache, le nombre de quêtes qu'on a. Alors, gagner contre des pauvres, gagner contre la Bretonnie, gagner contre les archers d'Oréon, gagner contre la Norska, contre Grand Cathay, ok. Capturer un truc. Du clan Skrir, ok, bon ça c'est pas ouf. Et, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait cette quête aussi. Faudra qu'on la fasse, 5000 balles, ça peut nous aider. Hein. Ici, là, si on se refait bien, on ira peut-être la lancer. Est-ce qu'on peut recruter une petite troupe? Ouais, pas avec 91 balles. Pas avec 91 balles, ok, tant pis, c'est pas grave. On passe le tour, on va regarder un petit peu ce que nous proposent nos chers ennemis. Donc le clan Mulder, c'est celui qui est côté Clislev, hein, il est très loin. On est rentré en guerre parce qu'il nous a envoyé une armée cachée là, mais peu de chance qu'elle débarque, qu'il y ait une armée qui débarque comme ça spontanément. Ici, si on n'est plus là, ouais, si on n'est plus là, ça descend quand même la corruption empirique, ça va. Une affaire de violence, ok. Plus 20 de dégâts des armes pour toutes les armées, très bien. Alors là, on pourrait éventuellement aller chercher ça direct. Entrer en guerre contre les ogres. Ah, sachant qu'actuellement, ils sont en guerre contre les provinces de l'Ouest. Est-ce que les provinces de l'Ouest accepteraient qu'on rejoigne leur guerre? Vous êtes où? Vous. Sont 52 en puissance. On leur propose de déclarer la guerre à eux. Ils acceptent. Ils accepteraient contre un accord commercial intéressant. Et un peu de sous. On va faire ça. Je sais que j'ai dit que je devais faire ma quête, mais j'aimerais beaucoup réussir à commencer à soigner un peu cet arbre. Alors, on a de quoi améliorer. On peut améliorer le pendentif du dragon. Au niveau de l'aigle, on est déjà bien amélioré. On pourrait améliorer l'anneau des rêves. 8% de reconstitution quand même. Hein. Ou le pendentif du dragon, plus de reconstitution. On va l'améliorer pour 2. Donc ça c'est Chobiti qui l'a normalement. Voilà,
5% de reconstitution vu qu'elle est plus dans un terrain ennemi. Là, il y a moyen qu'il y ait du scaven là qui traîne. Hein. Clairement. Et donc nous, on va lancer un assaut directement là-dessus. Alors ici, il y a quoi? Pas d'armée. Ah, il y a une grosse armée de Nurgle qui a été rasée ça, visiblement. C'est intéressant. Une victoire décisive. Ok, on prend. C'est parti. Pareil, on va occuper pour 1200. 1200 à raser, c'est pas rentable. En dessous de 4000, on rase pas. Et là, du coup, la pierre gardienne serait pas inintéressante dans le coin. C'est quand même un goulot d'étranglement, mais ici, ça serait peut-être mieux de l'avoir là. La porte de la gueule et tout. En même temps, tout ça, c'est du goulot d'étranglement partout, quoi. Oh, il y a Grécius ici. Coucou. Coucou. Alors, on prend un petit niveau avec notre ami. La flèche de Kurnus, doigt furtif. Plus de rechargement, puissance des tirs. Augmenter la nouvelle mobilité, c'est au max. Ça, c'est que pour lui, hein. C'est pas des bonus qu'il donne aux troupes de l'armée, c'est que pour lui. Ça augmente quand même sa puissance des tirs pas mal. Hein. Plus que prendre ça au final. On va prendre ça. C'est parti. Et on a peut-être assez d'argent là pour se prendre un petit recrutement supplémentaire. Alors on pourrait prendre une dryade. Dégâts magiques, dégâts de glace, c'est pas mal. Eux ils font quoi de beau? Défense contre toutes les charges avec un bouclier. Ou alors les lances à serail hein, qui remplaceront avantageusement notre garde éternelle à terme. Les danseurs de guerre à lance. Il y a une petite dryade pour avoir une troupe de choc capable de se répandre derrière l'ennemi et de faire mal. On a déjà eux, remarque, hein, qui font ça. En vrai, ce qu'il nous faudrait, c'est plus d'archers dans cette armée, je pense. C'est quel le moins cher? Allez, on va prendre celle-là. Histoire de commencer à avoir une armée complète et jouer un petit peu avec nos amis les dryades. Ici, je pense que ça, c'est important. Pour essayer de stabiliser un peu là. Il y a moins 7 de corruption empirique, moins 5 avec les événements. Et on commence doucement à soigner. Ah, la corruption, ça nous fait baisser la... Ça fait baisser la vie de l'arme, la santé de la forêt. Heureusement, on a 3 de bataille, 2 de landes pacifiées, donc on est capable de faire remonter le truc. Ok, très bien. Alors ici, on va voir. Ça vaudra peut-être le coup, vu comme il a l'air faible, de pousser sur celui-là, parce qu'il est quand même bien occupé avec Nurgle, notre ami là. Pourquoi c'est pas rouge ça? Pourquoi la ville n'est pas rouge? Parce que je la connais pas, ou c'est un bug? Ouais, ça doit être un bug graphique, je pense. Certainement un bug graphique. Kugas, il fait sa vie. Ouf, oh, ça serait tellement le moment de lui tomber dessus. La vache. Il est level 14, l'a dit. Hein. On est combien, nous? 13, ça va, on n'est pas trop en retard. Shobiti. Toi aussi, ça serait bien qu'on te recrute quelques trucs. Ça serait bien qu'on construise des choses là aussi. Ici, c'est toujours assiégé. On va voir s'il le rase ou pas. Ah ouais, non mais là, on est tellement dans le mal avec cette armée, elle nous sert à rien. Enfin, nous sert à rien. Il faudrait qu'on lui recrute des trucs. Si je sors... Voilà, le land public tombe. On va rester dans le coin pour l'instant. On a le temps de se refaire. Et on va passer le tour. C'est parti. Alariel, qu'est-ce que tu veux? Un pack de non-agression. Non. Ah, on a déjà un accord commercial. Ouais, mais non, pour l'instant, non. Des fois qu'on ait besoin d'aller chercher cet arbre-là.
Alors normalement, je crois que j'en ai parlé, il est possible que le chaos se pointe et qu'on ait un event où l'Ariel nous dit venez à notre aide, reprendre le truc, le chaos est arrivé, on sait pas quoi en faire. Mais pour l'instant, ouf, ça y est. Lui, il sort du bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche. Très bien. Avec une armée pleine cette fois, pas le reste d'armée de la dernière fois. Itza a fait un truc, ok, le clan Mundor a fait un truc, confédération, le Middenland a été détruit, remporter des batailles contre les nains pour faire une confédération avec Arguilon. Et si on rase ou on met à sac 10 colonies, on pourra faire une confédération avec Tal'Sin. Ok, très bien. Et on a recherché cette technologie là, ce qui est probablement ce qui nous a débloqué le reste. Hein. Chance de succès en embuscade 20%, gros bonus pour les embuscades. Ouais, et là on a quelques quêtes qui se posent. Très bien. On va aller chercher le bonus pour les unités d'infanterie. Est-ce que c'est ce qu'on va jouer? Alors toi, ça te bouge de 10%, donc de toute façon, tu pourras pas nous attaquer le prochain tour. Il n'y a pas moyen qu'il nous attaque le prochain tour. Donc ici on va prendre la suppression de corruption, et on va sortir... Et on va te faire cette quête du coup. Donc ça nous coûte 500 de nous téléporter, mais si on y arrive... On a la possibilité de gagner 5000 balles. L'ennemi, ça sera de l'homme bête. Avec des renforts très probablement. Et les sœurs du crépuscule gagnent à nouveau réunis. C'est parti. Allons-y. On se téléporte. Bien sûr, on peut pas la faire en auto celle-là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Sigor quand même, du Minotaur, une infanterie à l'âge de base, de Lungrand. Son armée de base est bien merdique. On devrait pouvoir la gérer. Alors, Naestra et Aran s'approchent du creux du bois de la sorcière avec prudence. Bien que leur dragon des forêts ait soi-disant été capturé vivant, la présence des hommes bêtes est une source de grande inquiétude pour les jumelles. Setinhar est une bête puissante et majestueuse, parfaitement capable de se défendre toute seule, mais elle a été rendue vulnérable d'une manière ou d'une autre, probablement par une sorte de magie noire. Il ne fait aucun doute dans l'esprit des sœurs que les infâmes enfants du chaos préparent un de leurs immondes rituels et que leur compagnon dragon est en grand danger. C'est sûr que s'il le sacrifie, ça peut piquer. Ok, j'ai droit à un écran noir visiblement, bah c'est parti du coup. Where's my dragon, cloven ones? Patience, Arahan. Behold. The horned shaman performs some dark rite with their obscene stones. I know not the intent of these servants of chaos, but it surely bodes ill. More pointless busy work, Nestra. How typically tedious of you. Well, at least I get to slaughter a few. On sent qu'elle s'adore les jumelles. Hein. I sense a far greater reward than indulging your childish bloodthirst, sister. Kethenhar is near. But bound and in shadow. If we can stop this fell ritual, perhaps our winged friend shall at last be revealed to us. I thought I smelled something else too. In the trees. No, it's probably nothing. Let's go get our dragon back. For the forest! Hello, for the forest. Alors, on va mettre pause déjà pour voir un peu. Donc, comment ça s'est placé? Nos éclaireurs sont tout devant. Très bien. Là, on a. Ah oui, alors on a les Xébusards à gauche. Et à droite, on a les Elfes du Cygne qui sont prêts. Et normalement, on doit avoir aussi les Breakdancers de guerre qui sont prêts à se lancer. On peut invoquer Setinhar. Et donc notre objectif c'est de triompher des gardiens de ces Kayas. Donc ici on a un Sigor, artillerie spéciale. On a un grand aigle là, qui pourrait assez facilement s'occuper de ces saloperies je pense. Bon, l'armée ressemble à rien.
Je peux même pas reculer plus, mais on a quand même des gens à l'arrière. Ok, bah il va falloir se bouger. Donc les tireurs, ils ont commencé à tirer. On va leur demander, si possible, de se faire les minotaures. Vous, vous allez avancer, histoire de prendre un petit peu plus de vision. Pareil, tu vois, tu vas te recentrer. Ici, on va envoyer deux gardes éternels sur le Sigor direct. On a quoi? Carquois de l'aigle. Deux projectiles. Bonne perforation. On peut l'envoyer... Ok, on verra. Et l'épée tueuse de héros. Ok, donc on va passer en mode tir comme ça. On va commencer à aller s'occuper d'eux. Il faut qu'on fasse une première ligne. On a des gardes sylvains là, on a des mecs ici. Donc on va leur demander de courir jusque là. Les danseurs de guerre. Parce qu'on sait qu'il y a des Ungors, hein, mais les Ungors ils vont rester cachés longtemps. Donc on va faire courir nos unités de première ligne quand même assez rapidement. Les dryades elles sont où? Les dryades elles peuvent aussi charger. Hein. Le capitaine de clairière. Il y a la flèche de Kurnos aussi. On va lui demander de tirer ici. Toi tu vas pareil te précipiter. La lance d'ambre. Donc oui, la lance d'ambre comme vous m'avez dit, hein, requiert un champ de vision. C'est un projectile qui fait des dégâts explosifs. Il faudra essayer de se mettre de flanc pour le lancer sur les créatures. Pour l'instant, c'est pas une priorité. Et il nous reste vous. Vous allez aussi essayer de vous mettre ici. Ok, c'est parti, en avant. Les premiers tirs. Ok, on commence à voir un petit peu de monde. Vous, essayez de vous mettre de flanc. Vous, une petite flèche de Kurnos. Vous êtes l'Ungor, ça fait chier quand même. Là-dessus. Alors, l'aigle, on va peut-être pas l'envoyer tout de suite au combat. Par contre, là, on peut peut-être charger quand même. Hein. Les breakdancers, les éclaireurs, là, ils sont en train de tirer sur les minotaures. Vous tirez aussi sur les minotaures. Ils se planquent, les petits salauds. Vous, du coup, vous allez plutôt aller par ici. Pour encaisser éventuellement l'attaque des minotaures. Ici, on leur fait mal, pas de problème. Là, on va peut-être leur demander à eux de commencer à harceler ça. Ah, les archers, ils font le taf. Allez par là, vous. Alors, d'autres hommes bêtes surgissent et foncent vers leur pierre des ardres sacrés. Ok, pourquoi pas. Ici ça se passe comment? Là on a du danseur de guerre. Faut s'occuper de ça, faut s'occuper de ça. La garde éternelle, elle charge par là, là aussi. On va essayer de s'occuper de lui. Il tire sur quoi lui? Il tire sur nous, ok là. Aucune chance de nous faire grand chose. Là c'est en déroute devant les dryades, c'est parfait. On va pouvoir plutôt prendre ça de flanc. Ici, essayez donc de harceler un petit peu ça pour les finir. Notre grand aigle. Termine ça. Là on va tirer là-dessus. Alors toi ma chère, un petit sort, on les a défoncés, un petit sort sur les breakdancers de guerre s'il te plaît. C'est la grosse déroute des familles. On peut attaquer ce truc, tiens, allons-y. Ok, tout le monde est en déroute. Les renforts viennent de là, visiblement. Toi, t'es au combat. Ouais, t'es au combat, mais contre rien. Faites une ligne. Vous. Une ligne derrière. Petite pause. On va récupérer eux. Pour l'instant, il n'y a rien derrière là. Venez par ici. Vous par là, nos archers ici, je sens que ça sent l'arnaque de ce côté là. On va prendre cette position,
Les dryades vont rien faire de très intelligent. Toi, essaie de te débarrasser de ça, s'il te plaît. Nos danseurs de guerre. On va les mettre là. Là. Toi, tu détruis ça, ça me va bien. Toi, pareil, grimpe par là. On peut l'invoquer, parfait. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, mon cher? Souffle soporifique, hein, explosion puissante, efficace contre les larges, efficace contre une seule unité, d'accord. Donc c'est plutôt un sniper de... un sniper d'ennemis, très bien. Est-ce qu'il perd de la vie? Ok, non, c'est vraiment totalement cadeau, quoi. Les Skaven approchent, ils ont faim de malpierre. Ils sont par là, les Skaven. Ok, et ici, il y a un truc qui s'est reformé, mais aucun problème, les Breakdancers n'ont aucun souci à s'en occuper. Donc ici, on a du Skaven qui arrive. De l'esclave, de l'esclave, de l'esclave. Que de l'esclave? Ok, bon, on va laisser s'approcher un petit peu. Ici, on est au fight, il faudrait que le dragon aille donner un coup de main, puisque visiblement, seul on va galérer. On a réussi à détruire une pierre, détruisons l'autre. L'aigle, il faut qu'il se libère là. Il nous faut... pas vous. Courez par là. Qui c'est qui a encore une flèche de Kurnus? Vous avez encore une flèche de Kurnus. Arbre de Bestigor. Go. Ok, on a détruit cette pierre, on détruit celle-là. Ici, il nous faut un petit boost parce qu'il y a du monde. Les archers se replient. Ouh, il y a du rejeton du chaos ici. En avant. Là, on est d'accord qu'on a laissé personne derrière, très bien. Donc ouais, ça c'est, on est d'accord, il faudrait qu'on soit sur le côté. Essaye de te faufiler par là, ma chère. Ça se reforme par ici, ici ça c'est en déroute totale, là on n'en fait rien, pas de problème. Toi, t'es où? T'es là. Tu tires sur des trucs, très bien, tire sur des trucs. Ici. Même pas besoin de contourner, fonce. Toi, si t'allais faire mettre ce truc là en déroute, ça m'arrangerait. Ici on a détruit, on détruit la dernière. Là nos archers sont prêts, il y a ça pour protéger un peu. Vous, ce serait peut-être pas mal tirer là-dessus, mais avancer dans leur dos. De vous dégager du problème léger des Skaven qui s'approchent. Bon, ils ont peur d'avoir trop de tireurs, mais ils peuvent être planqués. Hein. Go. Allez, débarrassez-vous de ce truc-là. Là, on commence à tirer. Ça va largement aider dès qu'on va commencer à tirer. Ok, c'est la grosse grosse déroute. L'aigle, il est où? Il est en train de s'occuper de ça. Renvoyez eux pour filer un coup de main. Pourquoi vous tirez pas vous? Vous êtes pas en... Projectile magique là-dessus. Toi t'es pas en train de perdre, t'es en train de les défoncer. Pas trop de problème. On va prendre une unité d'archers, la replacer comme ça, histoire que eux puissent faire une ligne un peu plus efficace. Toi, tu peux envoyer une petite lance d'ombre, je pense. C'est dans tes cornes. Ici, il faut tirer. Hop. Ok, là c'est totalement en déroute, c'est parti, on fait le tour. Quoi ? Il faudra aider à poursuivre un petit peu là le dragon. Go. On va reformer une ligne. Parce qu'ils vont probablement se reformer à un moment. Là, demi-tour. Surtout les Skaven qui vont se reformer, hein, j'ai aucun doute. C'est de la petite sale bête ça. Alors, qui c'est qui n'est pas encore totalement en déroute? Eux ils se sont reformés. Ok, très bien, on leur tire dessus, c'est nickel.
Là c'est en déroute. Courez un peu après ça vous. Ça c'est en déroute complète, parfait. Vous. Alors il reste ceux-là qui sont formés, mais il n'y a sans doute pas que ça. Là il y a le moral se reforme ici. Vous, demi-tour. Toi pareil, remonte là. Vous allez là, là on tire sur cette harde de gore, pourquoi pas. Les dryades elles tracent leur route hein, 43 de vitesse mine de rien, elles arrivent à choper les scaven hein. Ah il y a des choses qui arrivent ici, ok, alors attendez. Oui, gros renfort là. Vous, demi-tour, commencez à tirer là-dessus, vous les avez vus, commencez à tirer là-dessus. Vous par là. 3, balance ça là. On va récupérer les archers, ça va être les plus rapides à intervenir. Ces deux unités là éventuellement pour tenir la ligne. Toc, toi tu vas rester là. Ça c'est quoi? Une garde éternelle pareil qui va tracer par ici. Vous laissez tomber. C'est du gore et de l'ungore, hein. on n'est pas dans le mal. Hein. Ils arrivent même pas à rattraper mes breakdancers. Ouais, la lance d'ambre a fait le taf. Hein. Ouais, c'est sur lui que je veux que tu lances. Déroute, ok, parfait. Ici, rien que les tirs vont les faire partir en déroute, nickel. Et on a plus de munitions là. Pas très grave. On a ça qui arrive. Ah, on a des rejetons du chaos ici. Feu. Défoncez-les. Demi-tour, en avant. Vous, pareil, tirez là-dessus. Là, on va passer en tir comme ça. On va leur envoyer une petite flèche. Bonus. Non, je veux pas. Si tu veux bien. Oh, 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 ça picote. Ils ont bien mangé. Alors nos volants, ils ont fait le taf de poursuivre jusqu'à la déroute. Faut qu'ils reviennent. Les dryades pareil. Bon, il reste que les rejetons du chaos qui sont indémoralisables. Mais on devrait les découper, quitte à faire un petit peu de tiramis. Voilà. Hop là. Oh, ils sont partis en déroute. Il semblait qu'ils étaient indémoralisables, tiens. Intéressant. C'est pas gagné. Ok, victoire décisive. Parfait. Ça va, franchement, on s'en est tiré avec zéro dommage, hein, on pourrait dire, hein, quasiment. Quasiment zéro dommage. 169 pertes seulement, je m'attendais à plus, mais en fait, c'était que des Ungor, donc... c'est une quête qui arrive assez tôt et que du coup on peut faire avec nos unités de base en fait. À part quelques rochons du chaos et puis le Sigor, mais il a rien fait. Très bien ça. On va pouvoir récupérer notre petit dragon. Ouais, ils ont bien fait le taf. Hein. 365 pour eux là. Ça non. 490 seulement. Oh, ça fait mal. On a une bannière, j'avais pas vu. Vitesse plus 30%. On va le mettre sur lui. Il l'a peut-être déjà ça. Non, on va le mettre sur plutôt sur elle du coup. Par contre, on va prendre l'argent, tant pis. Et on récupère du coup Setinhar. Et on gagne à nouveau réuni. Et donc on a vu, ça nous permet d'invoquer l'aigle quand on monte Setinhar ou d'invoquer Setinhar quand on monte l'aigle. Parfait. Allez, ok. Un petit niveau de plus. Ça, vu là où on est en train de se battre, on va combattre du Nurgle et compagnie. Ça pourrait s'avérer pas déconnant en fait, on va le prendre. Et toi, t'as accroître les revenus, ouais, mettons. Bonus de charge. Plus 25% de munitions dans les forêts.
On va continuer d'améliorer son tir. On va retourner dans la ville pour maximiser la reconstitution et voir après ce que fait notre ami. Et là par contre on a de quoi investir. Alors déjà, vu qu'on a de quoi investir, on va investir dans nos forêts. Ici on veut une forge. Le pays Gnoblard, non. Et ici on veut ça. Voilà, très bien. On est d'accord que les ressources c'est ça et qu'on les a faites. Fantastique. Ensuite, ici, on a dit que une petite pierre gardienne pourrait être pas mal. Parce que le bonus dans les provinces adjacentes, il est pas ouf. Plus de croissance, pareil, dans les provinces adjacentes, ça ne sert à rien. Donc on va faire une pierre gardienne ici. Et le dernier endroit, donc ici, on a dit qu'il nous faut le chemin des racines du monde. Il va falloir qu'on recrute un peu. Et en attendant, on va lui prendre ça à elle, histoire de la renforcer un peu quand même. Et on va avancer et on va se mettre en... pas comme ça, ici. En embuscade magistrale. On a que 60% de chance, hein. On est en plein dans la lande, désolé. Mais je pense qu'il est... il a ça, ça doit être sa capitale à l'autre. Ici ça a été pris, ok, il a décidé de le prendre, très bien. Au final il n'y a que ça, on peut se passer d'une lande pour l'instant. On soigne quand même très très bien. On est déjà à 54, alors qu'on est qu'au tour 27. C'est très très bon. Ici ça se passe comment? Torox, il est là. Ici on a le Nagarit là, qui est quand même assez fort. Hein. Ah, il a laissé des trucs sur le chemin. Torox visiblement a rasé là et là. Là il y a le nain qui survit dans le coin. Il est en guerre contre qui lui, le nain? On le sait ou pas? Non, on le connaît pas en fait. Très bien. Est-ce qu'on a des accords commerciaux possibles? Alors... voilà. Des accords avec les elfes noirs, un pacte de non-agression avec eux, pourquoi pas... Un accord avec les archers d'Olerion. Alors vu qu'on a comme quête de les attaquer, c'est pas forcément pertinent. Niveau commerce, on n'a rien. Bon, de toute façon, on n'a rien d'intéressant à proposer en termes de ressources de commerce, donc c'est pas une surprise. C'est ici, c'est là que je vais aller voir, ici, ok. Son armée est plus là, intéressant. Putain, ça c'est très intéressant ça. On pourra tomber dessus, attaquer, et du coup, ça compterait je pense pour la quête. Et on a aussi trois petits morceaux de la forge de Deist. On pourrait donc passer un truc au niveau 3. Mais on le fera lors du prochain épisode. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à donner des noms si vous voulez rejoindre l'aventure. J'en ai à dépiler, mais il y aura toujours de la place. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.